ce ne sont pas les détenus, mais l'administration qu'on prend en otage. Un mot d'ordre sans équivoque, observé par une soixantaine des 131 surveillants du centre de détention du Zerche. Depuis 5h30 ce matin, c'est en uniforme et tous syndicats confondus qu'ils interdisent les entrées. Un blocage pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de sécurité au travail. Nous ne sommes absolument pas en sécurité, nous sommes en sous-effectif. Toujours pareil, hein, le recrutement. Et la population pénale a changé depuis des années et on a un peu plus de mal à la canaliser. Et les établissements ne sont pas faits pour certaines personnes. Donc voilà. C'est-à-dire ? Disons que, par exemple, les radicalisés, tout ça, ils nous créent des soucis. On n'est pas formés, on n'a pas l'expérience pour et l'administration nous laisse un peu tomber, on va dire. C'est la troisième mobilisation en 8 jours pour des surveillants excédés et inquiets. Samedi dernier, 3 d'entre eux ont été agressés par un détenu. Aujourd'hui, tous réclament plus de moyens et plus de personnel pour garantir leur sécurité.